avec six garçons qui ont eu la bonne idée de fausser compagnie au peloton pour animer l'épreuve. Ah, et puis un Français également que l'on retrouve juste ici l'image, Jonathan Coinon de la formation niçoise. Exactement, donc six garçons à cette même communion, c'est vraiment un grand lieu du vélo. Non, mais surtout président de l'Union Cycliste Internationale, on vient de l'apercevoir là sur la gauche de l'écran, il est là parmi le public comme un spectateur et un passionné lambda, j'ai envie de dire, bah, voilà, c'est ça le vélo, c'est ça le vélo quand populaire. On est président du CI, en général on aime normalement le vélo et c'est vrai, il a à cœur d'être ici. Les six sont toujours là et ils s'entendent bien. Ils s'entendent bien, mais l'écart n'est pas en leur faveur. Hein. L'écart a considérablement chuté. On est désormais, je crois, dans les petits tours, pas encore. On y sera dans quelques kilomètres encore. Il reste, c'est la fin du dernier grand tour. On sera à 46 km. Dans 15 km. Voilà.